Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'Ukraine. Ça me paraît tout à fait normal. C'est très brûlant. Ce matin, les Russes ont commencé à bombarder le pays. Et pas seulement bombarder, puisque apparemment, des commandos ont commencé à attaquer les aéroports ukrainiens, les aéroports militaires ukrainiens. Je pense que c'est des forces spéciales russes qui ont commencé à avancer en Ukraine. Le chef du Kremlin a déclaré vouloir protéger la population russophone d'un génocide de la part du régime de Kiev. Alors, sur quoi s'appuie Vladimir Poutine pour intervenir? En fait, c'est le décalque d'une intervention précédente, celle des OTANiens, celle des Occidentaux, en 98, au Kosovo. Et donc, on a entendu le président la nuit dernière expliquer qu'il y avait un génocide en cours. C'était le même alibi qu'avançait l'OTAN en 98 avec le génocide des albanophones du Kosovo. Et il a expliqué qu'il intervenait pour finalement rendre la justice et traîner devant un tribunal. C'est pas la CPI, on sait pas lequel très bien d'ailleurs, mais rendre la justice et faire rendre gorge donc à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kiev. Militariser l'Ukraine, enfin plutôt remplacer apparemment les forces militaires ukrainiennes par les forces russes et dénazifier le pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dénazifier? Quand Poutine dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, il parle du bataillon Azov, anciennement régiment Azov, qui est un bataillon de volontaires rattaché directement au ministère de l'Intérieur et qui a choisi comme emblème le symbole de la division Das Reich, ceux qui ont massacré Oradour-sur-Glane et les autres. Donc il fait clairement référence à ce bataillon-là qui assume des positions anti-slaves extrêmement racistes, virulentes et antisémites. Plusieurs sources affirment que des chars russes seraient entrés sur le territoire ukrainien ces dernières 24 heures. Sur ces images satellites, des chars et des troupes massées près de Bolgorod. Ici, en route direction Rostov, toujours en Russie, mais toujours plus proche des frontières ukrainiennes. À Moscou, le Parlement a entériné la volonté de Vladimir Poutine de déployer l'armée dans le Donbass. Alors, depuis les années 1990, le territoire russe s'est complètement restreint, comme une peau de chagrin. C'était simplement la fin de la grande URSS. Personne ne pouvait souhaiter que cette URSS puisse renaître. Mais il fallait donner une chance à la Russie. Chose qui n'a pas été vraiment faite. Ridiculisé avec un président complètement ivrogne, mis à sac par les Occidentaux qui venaient acheter les industries, les brevets, mais même les films, je me rappelle très bien. Le pays a été complètement mis à sac. Alors Boris Eltsine enfin s'éclipsa et Vladimir Poutine arriva au pouvoir. Après la victoire aux dernières législatives du Premier ministre Vladimir Poutine, qui est nommé président par intérim pour 3 mois, comme le prévoit la Constitution. Il remporte l'élection présidentielle au premier tour avec, je crois, 70% des voix. Au cours de son premier mandat présidentiel, il lance une série de réformes importantes pour restaurer la puissance de ce pays en crise économique majeure. Après le 11 septembre, écoutez-moi bien, il offre des bases aux Américains. Il a de très bonnes relations avec Bush, le président Bush, et il ouvre l'Asie centrale aux Américains. Ceux-ci y établissent des bases militaires et
la Russie demande logiquement de rentrer au sein de l'OTAN pour y lutter contre le terrorisme. Ça lui est immédiatement refusé. Pourquoi ? Alors là. 2004, Poutine est réélu avec 71% des voix. Il est porté par la croissance économique de son pays. On a vraiment l'impression que la page des années 90 est tournée. Mais les révolutions de couleur arrivent. D'abord en Géorgie, puis en Ukraine, ce second mandat voit une dégradation des rapports avec l'Occident. Des pneus, des bus et des barricades en feu dans le centre-ville de Kiev. Depuis la nuit tombée, les manifestants incendient tout ce qu'ils peuvent pour faire barrage aux centaines de policiers situés juste en face. Le doute s'installe sur les intentions réelles américaines après l'élargissement de l'OTAN à 7 pays de l'Est de l'Europe. Malgré les promesses qui avaient été faites à Gorbatchev. Non. Après l'Irak, la Serbie, la Libye, la Syrie, déstabilisée. Cette Syrie, déstabilisée par les Qataris, qui voulaient faire passer un pipe de gaz, entre le Qatar et l'Europe, passant donc par la Syrie. Le président Assad refuse le passage de ce pipe, c'était une demande du Kremlin. Et la guerre, comme par hasard, éclate quelques semaines après ce refus. Avec le coup d'État en Ukraine, on assiste à un rétropédalage russe. Ça ne va plus du tout. Annexion de la Crimée, et État séparatiste au Donbass. Ensuite, l'armée russe en Syrie. Contre les terroristes de Daesh. Mais pas seulement les terroristes de Daesh, évidemment. Meymim, la base militaire russe à Latakia en Syrie. La Russie contre-attaque. Puis avancer en Libye avec l'envoi d'un groupe paramilitaire comparable aux sociétés dites de sécurité américaines. C'est le groupe Wagner. Enfin, cette milice est envoyée en Afrique noire, combattre les djihadistes et certainement déstabiliser les troupes qui se trouvent au Sahel. En particulier les troupes françaises. Économiquement, Poutine sait évidemment qu'il ne pourra pas tenir seul en face de l'Occident, en face des États-Unis. Son seul moyen d'exister est de s'allier à la Chine. Nouvelle alliance avec ce voisin encombrant. Mais il ne peut pas survivre sans lui. Une nouvelle organisation est créée avec la Chine, c'est le groupe de Shanghai. Elle est formée de la Russie et de quatre États d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Ensuite, le groupe de Shanghai s'élargit à l'Inde et maintenant
à l'Iran. C'est un des fers de lance de la géopolitique russe. En effet, la Russie se tourne de plus en plus vers l'Asie, en même temps que se détériore ses relations avec l'Occident. Alors nous Européens, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Notre rêve à nous, pour certains, c'était de faire un marché européen, un marché économique européen, qui aurait pu inclure la Russie. Et donc, lutter contre la Chine et contre les États-Unis. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible en l'état actuel des choses. C'est complètement utopique. Monsieur Poutine, vous avez choisi pour nous. C'est absurde. Alors moi, je pense que Monsieur Poutine n'a pas fait un bon calcul. Il se précipite dans les bras des Chinois. Ce n'est pas un très très bon calcul, loin de là. Il ne faut jamais être dépendant. Et nous en savons quelque chose. Il ne faut jamais être dépendant d'un pays, quel qu'il soit. Or là, Poutine va être dépendant de la Chine. Et de notre côté, du côté de l'Europe, ce sera encore une fois, nous serons encore une fois complètement tributaires du gaz US qui viendra en bateau. Qatari et Algérien. Flambée du pétrole, flambée du gaz. Bon, en tout cas, j'espère que au moment où vous verrez cette vidéo, les choses se seront un peu arrangées ou pas du tout. Mais j'espère que les choses se seront arrangées en Ukraine. En tout cas, à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce et partagez. Au revoir.